si ça diffuse maintenant. Je vais baisser ça un petit peu. Hey. Donc là, pourquoi que je vois pas mon image? Je vais faire un refresh pour être sûr. Ok, donc bonsoir tout le monde. Je veux vous faire un petit let's play spécial ce soir. Avant de faire l'épisode 29 de Breath of the Wild plus tard dans peut-être une heure. D'ici ce temps-là, je vais vous faire un let's play que ça fait longtemps que je veux vous faire. J'ai à côté de moi un Sega Dreamcast que ça fait des années que j'ai. Et je veux vous proposer, comme vous voyez dans le titre de la vidéo. Juste ici, je vais juste regarder, voir si on le voit comme il faut. Vous voyez, une belle petite copie du jeu Grandia 2, fait par la compagnie Ubisoft et par la compagnie GameArt, qu'on voit ici, le GA, et Ubisoft. Le jeu qui est sorti en 2000. Et j'ai déjà fini ce jeu-là. Un excellent jeu de rôle, un excellent RPG. Comme vous pouvez voir, ma copie, elle est originale, c'est pas un backup, comme vous le savez, des fois le Dreamcast est capable de lire les backups. Ce qu'il nous proposait dans ce CD-là, dans cette pochette-là, un CD de musique, avec la face de Ryudo dessus. Superbe. J'ai un livret d'instructions aussi, qui, comme vous pouvez voir, regardez, il est encore dans sa pochette ici. Aucunement plié, tout ça, c'est une copie qui est tout simplement magnifique. Je parle d'une copie de la version du jeu, c'est pas une copie parce qu'on voit aussi que le CD est original. Donc, je l'insère dans le Dreamcast. Vous voyez l'écran du site du Dreamcast, ça rappelle tellement de souvenirs. J'ai tellement hâte que Sega fasse une nouvelle console, s'ils en font une autre à un moment donné. Avec la merveilleuse manette. Avec le petit VMU qui est dedans. Unité de sauvegarde. Donc, le jeu est parti. Vous allez voir que c'est un jeu qui est quand même bien vieilli. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas dégueulasse à regarder. C'est sûr que c'est pas en haute définition. C'est pas ce qu'on voit dans Horizon, dans l'aspect que je joue, là, ni dans Breath of the Wild. Mais, si vous êtes capable de vous mettre dans le contexte de l'an 2000, que c'est encore des TV cathodiques et non des TV flat screen, haute définition, le jeu est très très beau. Ça rappelle des souvenirs, ça fait tellement longtemps. Je l'ai fait, je l'avais fini ce jeu-là en 2010 ou 2011, je crois. Ça fait quand même 6 ans que je l'ai pas terminé, que je l'ai pas fait. D'ailleurs, je pense que ma sauvegarde doit être encore là. Ben oui, elle est encore là. 28h53. Donc, si on le fait complet, ce display-là, on est parti pour une trentaine d'heures. Laissez-moi en commentaire si vous aimez le Dreamcast, si vous aimez les consoles de Sega. Parce qu'honnêtement, j'ai quand même quelques autres jeux sur le Dreamcast. J'ai Skies of Arcadia, j'ai les deux Sonic, Sonic Adventure 1 et 2. J'ai la série Evolution aussi. C'est d'autres RPG. Hein. On va regarder l'intro. «
un thème qui ressemble à celui de Final Fantasy. J'adore ce genre d'intro-là, fait en dessin animé, tout ça. Ça, c'est les graphiques du jeu, quand même, pas dégueulasse. C'est sûr que, comme je vous disais tantôt, c'est pas. C'est beaucoup plus carré que ce qu'on voit présentement. Beaucoup plus de polygones, beaucoup moins définis, mais ça reste très beau quand même. Ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que le Dreamcast, pour ceux qui connaissent pas la console, le Dreamcast de Sega, c'était la première console de la génération que. Génération Xbox, PlayStation 2, GameCube et Dreamcast. Sky. Over here! Ryudo, I cannot take much more of this. Quit your belly aching and fly, damn it! I finished the job, didn't I? Yes, in your own crude fashion. Here, take your money. Father, don't be rude. I'm so sorry. Don't bother, I'm used to it. I won't have you speaking to his kind. Come, we're leaving. Ce qui me fait rire dans ce jeu-là, c'est le voice acting. Il commence à être meilleur que dans bien d'autres jeux, mais il y a encore des voix dégueulasses. I cannot stand him. Comme what lui. A pompous fool. It's work, not a barrel of laughs. Well, well, you're growing up, Ryudo. If it weren't for work, I'd have nothing to do with that guy. But business is business. She was a fine-looking girl, though. I don't care for her or the kindness of strangers. Le voice acting de Ryudo, je l'aime, mais celui de Sky, je le trouve trop lent.
Well, well, Ryudo. C'est pas naturel comme façon de parler. Je me rappelle que tout dépendant des personnages, le voice acting est bon quand même dans celui-là. Ça dépend vraiment des personnages. Là. What is it, Sky? Ryudo. Looks like we have another job. Je suis toujours maintenant. Hey, not already. I'm still sore from that fall. No thanks to you. Ouch! Okay, okay! Sky, all right already! It's good to have work, right? It's good to have work, right? It says the Church of Granis wants to hire you as a bodyguard. So, working for Granis, huh? Now I really don't want to do it. A job's a job, right? Yeah, I guess you're right. That's what it means to be a geohound. J'imagine que là on va commencer à jouer. Ah oui, laissez-nous du jeu. Juste se remémorer un petit peu le menu, les items, Move Magic, ça c'est le statut, ça c'est pour équiper les choses, ouais. Ok, okay c'est vrai, j'ai plein d'items comme ça ici. Dans les armes. Tout ça, on va le voir à mesure. Je sais qu'il y a des, ouais, des power-ups. Apprendre de la magie. Ok, on verra tout ça en temps et lieu. Je l'ai fait une fois le jeu, donc c'est loin dans ma mémoire. Ça, c'est un save. Ouais, on va saver tout de suite. C'est pas mon ancienne sauvegarde qui était à la fin du jeu. Le petit tit que vous avez entendu, c'est parce que la... Je vais vous montrer ça. Ce qui était le fun sur le Dreamcast. Je sais pas si vous voyez comme faut la manette. Dans le VMU. On voit que c'est indiqué grandi à 2. Ça, c'est vraiment nice. Il y avait une petite écran sur le... Je sais pas si je peux le sortir pendant que je joue. Oui. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est vraiment la carte mémoire en tant que telle. Vous voyez qu'il y a un petit D-pad ici avec des boutons ici. Parce qu'il y a certains jeux qui mettaient des mini-jeux dedans, tout dépendant pour les Tamagotchi, des choses comme ça. Il y avait des choses précises à faire. On pouvait jouer comme ça. Aussi, on pouvait connecter deux EVMU ensemble avec les petits slots comme ça pour se transférer des saves. C'était vraiment révolutionnaire, puis comme vous pouvez voir, il y a deux compartiments dans la manette. Ces compartiments-là, on pouvait mettre justement comme ça, un VMU ici, puis peut-être un Rumble avec aussi. Là, vous voyez le son que ça a fait, c'était vraiment pour indiquer que le VMU s'est activé. Donc là, on va aller ici. Un petit coffre, là, j'ai pas vu ce qu'on a eu. Vite. C'est là-dedans. Le Blizzard Charm. Level 5 Blizzard Résistant. Je vais essayer de l'équiper. Ok. Comme vous voyez, c'est un RPG vraiment tout ce qu'il y a de plus standard. Avec des menus assez simples et tout ça, puis honnêtement, moi c'est comme ça que je les aime, les RPG. Les RPG de nos jours, pas qu'ils sont pas le fun, c'est vrai que je peux tourner la caméra, ça c'est vraiment nice. Je peux tourner la caméra avec le left-right ici en haut de la manette. Ceux qui ont jamais tenu une manette de Dreamcast dans leurs mains, c'est une expérience le fun, parce qu'elle se tient quand même bien, c'est juste que les boutons sont un petit peu plastiques.
C'est quand même une très bonne manette. Et là, on voit le système de combat qui était quand même très bien, si je me rappelle bien. Comment qu'on fait déjà? On va faire combo. On voit la ligne en bas qui nous montre si c'est le tour à qui. You better practice if you want to beat me. Ok, donc, comme dans tout bon RPG, voyons, on gagne de l'énergie, pas d'énergie, de l'argent, de l'expérience et tout ça. Hand grenade, vous mettez ça, on ira voir c'est quoi ça. Et tout dépendant comment est-ce qu'on attaque les ennemis, c'est-à-dire que si on les surprend par en arrière, c'est nous qui avons l'avantage. Comme dans ce cas-là, il était rouge, je pense que c'est quand même nous autres qui avons l'avantage. Là, vous voyez, je sais pas si vous avez vu dans la barre en bas, mon personnage s'est dirigé plus vite vers la où c'est marqué COM pour commande, puis action, le fait d'attaquer prenait moins de temps à préparer cette action-là que le début de ce qu'elle voulait faire, donc je l'ai attaqué comme deux coups de suite à cause de ça. On s'en va au village Carbo. Ça rappelle tellement de souvenirs, je vois ça. Bye, Elena, see you later. I'm sorry, Tessa. Tessa. If I could, I wonder why I'm not going to live with you. I guess your role is more important than ours. Don't worry, we'll do it all. The preparation for the ceremony. Tessa, we have to get going. Oh, all right. See you later, Elena. Let's go. Elena, it's time for the service. You have to return now. Yes, you are right. Don't worry, we are ready, bodyguard. We'll catch up. You'll catch with us safely. Please take care of yourself or Aunt Tessa. I will see you later. Pas toutes les choses. Comme vous pouvez voir, on est engagé comme garde du corps pour protéger Elena. L'extérieur du village, il y a une tour qui a des esprits maléfiques dedans et qu'à la nuit, les esprits sortent. Et voyez la petite boussole en haut, c'est pas nécessairement pour nous montrer où est le nord et tout ça, c'est plus pour nous montrer où est le prochain objectif. Donc vous voyez, regardez, plus j'avance, plus ça me dit que
c'est la porte qui est ici. Tac. Et là, vous voyez, le cercle vert qu'il y avait, c'est rétréci. What's the matter? Is that all? Who said that? Don't mind me. Continue. Were you listening to my singing? Come on, if you're that tense, you won't be able to perform at all. Who are you? I haven't seen you around. What are you doing here? Whoa now, what am I doing here? You're the one who hired me. I... hired you? I do not remember anything of the sort. You look awfully suspicious. Leave right now, or I'll scream. Are you for real? Oh, wait a sec. I bet no one told you. Elena, is something the matter? Ah. You must be the Geohound, yes? We've been waiting for you. A Geohound? Hey, I'm Ryudo. This here's Sky. Quite a warm welcome for someone you're hiring. What? Why are you being so rude? Elena, please excuse her. Allow me to apologize on her behalf. Elena, you must get ready to leave. Yes, Father. I'm very sorry for interfering. Please excuse me. Excuses in women are equally tiring. This is not the place. May I ask you to wait at the inn? I shall be along shortly. Notre bonhomme là-dedans, c'est juste un... un enfoiré. Il n'y a pas de sentiment. C'est comme le gars typique, c'est comme Han Solo. Il se fout de tout le monde. Il fallait attendre au inn. Puis là, vous voyez, regardez, ça je disais tantôt, quand on approche de l'objectif, le rond vert se rétrécit, donc ça nous dit qu'il est vraiment là. Fait que c'est ça qui est le fun de ce jeu-là, parce que des fois dans les RPG, ça peut être assez facile de se perdre. Mais dans celui-là, c'était quand même assez simple, fait que... Voyons! Victime de l'ancienne technologie.
Arrêtez, je vous laisse lire, parce que je veux pas non plus vous créer des fausses voix dans votre tête, là. De toute façon, les personnages, ou ceux qui ont des bouts d'histoire intéressants ou importants, ils se mettent à parler aux autres mêmes, donc je vous laisse quand même quelques secondes pour lire les choses sur l'écran en bas, le temps que moi je prends pour lire. On va aller nous attendre à l'église. Vous avez pu constater dans le texte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller protéger. Je ne sais pas si vous m'entendez comme ça, parce que je pense que la musique est forte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller protéger une des sœurs durant la cérémonie qui va avoir lieu dans la tour à minuit. Notre but, c'est de ramener la sœur en tant que telle. General Store. Donc, il y a un petit chapeau, pourquoi déjà? Beginning tutorial, non. Le combat, je sais déjà c'est quoi. Take your time. Qu'est-ce qu'il y a à nous vendre? J'ai seulement 302 gold. Attendre.
Ok, donc si je comprends bien, il faut dormir avant d'aller faire la job. On va approcher le micro un petit peu, comme ça vous allez sûrement m'entendre mieux. Je peux sauvegarder la game. Ce qui est fait. Ok, donc là. Ok, là il disait qu'il nous attendait à l'église. Un fasciné, c'est aller à la Garmia Tower avec Elena. Donc là, si je me rappelle bien, je pense qu'Elena peut se battre avec nous aussi. Non, pas encore. Donc là, on va sortir du village. Donc là, vous comprendrez. Ça, c'est la map. Donc, là, on est au Caribou Village. On s'en va à Black Forest qui va nous mener à la Garnier Tower. Slash! Comprendrez qu'en tant que guitariste, je vais adorer la musique parce que c'est vraiment nice. Hein.
better practice if you want to beat me. On voit que notre bonhomme commence, je dirais pas à s'attendrir, mais au moins à savoir vivre un peu. Encore un petit oiseau bleu. And shake and slash. You better practice if you want to beat me. Ok, donc ici. Il y a quoi ici, c'est pas ça? Du gold, c'est toujours le fun. Vous allez comprendre que j'essaie de fouiller. Honnêtement, j'essaie de vraiment fouiller partout. Ramasser le plus d'objets possible, plus de ressources. Comme ça, on est sûr qu'on manque à rien dans chaque tableau. Et là, on parlait à la Garmia Tower. Logiquement, il devrait avoir un save pas loin. Il dit logiquement, mais il n'y en a pas. En tout cas, moi j'en vois pas. So that's the geon, they give me the graves. Comme on peut le voir, le langage est quand même, je dirais pas cru, mais ce que j'aime, c'est que ce jeu-là, il y a quand même beaucoup d'attitude dedans, fait que la bonne vieille ninetitude.
I just got a bad feeling about this. Une espèce de chanteuse qui gueule en plus en arrière, c'est le fun. C'est vraiment original comme musique. Pour un RPG. Là, vous voyez, j'ai attaqué l'araignée par l'arrière. You have initiative. Donc, temps de faire mes attaques bien avant elle. Schlack, schlack. You better practice if you want to beat me. Je pense qu'elle était rouge, c'est elle qui a l'avantage. Ça, j'ai été surpris. Le voyez, l'attaquant avant. Les petites règles des RPG. Tensei can slash! Tensei can slash! You better practice if you want to beat me. Je vais essayer un critique en bas, c'est ça. Bam. C'est juste que je me rappelle, les critiques ne marchent pas tout le temps. Là, je peux me défendre. Yeah! Ok. J'ai l'impression que je vais faire le tour avant. J'ai pas eu le temps de lire, j'appuie trop vite sur le bouton pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les coffres. Je fais le tour avant de lire en cette façon, on dirait une place importante. Je vais garder une autre affaire ici qu'on avait marqué.
Allez, 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 allez. Et voilà. C'est vrai, il y avait une affaire de counter aussi que je viens de voir là. Quand on se fait attaquer, puis qu'on appuie sur le bouton au bon moment, on peut contre-attaquer. Je cacherai pas que la caméra, c'est pas ce qu'il y a de mieux souvent dans ce jeu-là. Mais c'est pas grave. On chialera pas. Tensei Ken Slash! These guys were no real challenge. Dans 40 points, on va avoir un nouveau level. Tantôt j'ai vu des escaliers quelque part. Bon, c'est par là, peut-être par là. Ouais, ici. Special points for some.
practice if you want to beat me. Attention, il va y avoir un autre niveau. Il y a un save là. Ten slash, ça devrait le battre d'un coup. Ten second slash. You better practice if you want to beat me. Level up. Juste quand je m'en allais l'attaquer. Donc on va aller faire, je pense que là on est rendu à la cérémonie. Ouais, on fait la cérémonie, tout ça, puis après ça, on va arrêter ce display-là pour maintenant.
Tensei-ken slash. Tensei-ken slash. La résistance, mon petit pète. Can slash. Vous avez vu mon Tensei Can Slash annuler son attaque qui voulait faire. Et voilà. These guys were no real challenge. Voilà, Tessa est morte. Non, c'est où qu'il faut aller? Ah, c'est là. Donc, je pense que je vais aller me recover en bas. Non, je ne peux pas aller en bas. C'est juste pour mes special points, puis je fous-tu les... Ok, on y va comme ça. Let's go, c'est parti. Toujours la job. Holy shit! Ça en est fallu de peu. Oh, stop it. Stop it.
Ouais, oui, tout le monde est marrant. C'est vraiment les deux héros typiques d'un jeu, ils s'entendent pas. On va aller au Win, ce CV. Une heure pile, c'est pas pire ça? Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je sais que j'ai pas eu beaucoup de spectateurs, mais si jamais vous revoyez ces vidéos-là sur YouTube, peut-être juste me dire si vous aimez ce genre de display-là de vieux jeux. Ça date, c'est un jeu qui date quand même de l'an 2000, donc 17 ans. Je sais que c'est un petit peu vieux comme graphique, mais moi j'adore ça. Je m'arrête jamais au graphique pour ce qui est d'un jeu. C'est sûr que quand on a des jeux comme Horizon ou Breath of the Wild, ben n'importe quel jeu de notre génération, c'est assez beau. Que des fois, ça passe même par-dessus une histoire qui peut être mauvaise, des choses comme ça, tellement que les jeux sont bien faits et sont réalistes. Mais ça, en plus que l'histoire est bonne, les graphiques sont le fun, c'est coloré au bout. L'histoire, vous allez voir, à la longue du let's play, elle est vraiment bonne. Donc, là-dessus, ce que je vous dis, je déconnecte. Donc, on se revoit la prochaine fois. Je vais essayer de faire un épisode numéro 2 assez rapidement. C'est sûr que, tu sais, d'ici ce temps-là, j'aimerais ça finir Breath of the Wild. Puis en même temps, je voudrais tester aussi votre intérêt à ce genre de let's play-là. Fait que, faites-moi l'écrire en bas en commentaire sur YouTube si vous aimez ce genre d'épisode-là. Et si oui, je vais en faire plusieurs. Je sais qu'on avait déjà commencé Conquer Bad Fur Day sur le Xbox, sur la version Conquer Live and Reload. On n'a toujours pas fini, on a fait juste un épisode pour l'instant, mais on va sûrement continuer éventuellement aussi. Mais c'est ça, fait que je vais revenir bientôt avec un épisode numéro 2 sur Grandia 2. Donc j'espère que vous avez aimé ça. J'ai plein d'autres jeux de Dreamcast s'il faut, j'ai des jeux de GameCube, j'ai des jeux de PS2, on a tout ce qu'il faut ici. Donc laissez-moi un commentaire si vous aimez ça. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye tout le monde!